Et salut tout le monde, c'est Adkill, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Roblox. On est actuellement sur le jeu My Dragon Tycoon, une map dans laquelle nous allons devoir développer notre base afin de faire évoluer un dragon ou nos dragons, je sais pas, il y a un petit œuf qui me suit, je sais pas si on aura qu'un seul dragon, j'en sais rien. Et salut, oh, attendez vite, oui, je veux rester devant la rouge là parce que j'ai envie de claim la rouge, la red house c'est pour moi. Il y a quoi, il y a 5-6 couleurs, un truc comme ça, mais moi je voulais absolument celle-là, c'est bon, il me la piquera pas, je peux la claim, c'est parti. Ouais, du coup j'ai pas fini de dire ce que j'avais à dire sur le jeu, mais il a l'air d'être vachement bien développé. On a la possibilité d'aller faire combattre nos dragons après dans d'autres zones qui sont là-bas. Là, il y a des petits slimes, je sais pas à quoi ils servent. Attendez, je vais en péter un pour voir. Et boum, et boum. Ok, je lui fais 10 par coup, il me fait un lui, hop, voilà, tac. Alors, qu'est-ce que ça m'a donné? Ça m'a rien donné de spécial, je crois. Ah, je crois que ça m'a juste donné un petit peu d'XP. Non, je sais même pas. Je sais pas. Bah, bref. Nous, de toute façon, pour l'instant, on va développer donc notre base qui permettra d'avoir, eh bien, une éclosion de notre dragon dans les meilleures conditions possibles. Éventuellement, je sais pas. Je découvre, bien évidemment, le tycoon avec vous. Alors, mon cash collector est là. J'ai absolument 0$. C'est cool. Et par contre, heureusement que le premier truc coûte 0$ avec un petit dropper. Ok, c'est ici qu'on va faire de la thune. Mais vraiment, regardez les animations des éléments comme ça. Mais ça montre directement que, franchement, franchement, le tycoon est super méga bien fait. Je me répète, mais quand un tycoon est bien fait, faut le dire, hein, honnêtement. Parce que ça se fait de plus en plus rare, les tycoons bien faits. Bref, du coup, c'est parti. On encaisse les 100$. On prend un upgrader qui va se mettre là. Ça passe au chaud comme ça. Et alors, qu'est-ce qu'on est en train de produire, en fait? Des petites pierres. D'accord. Bon, le PVP, on va le mettre directement sur on. J'espère qu'on pourra faire combattre nos dragons contre le dragon des autres joueurs. Le niveau des bases des autres joueurs n'est pas très grand. Là-bas, lui, il commence juste. Il n'y a que lui qui a un petit peu avancé apparemment sa base. Mais on va vite le rattraper. Alors là, j'ai un truc pour voir mes dragons. D'accord, moi, c'est mon dragon à moi. Bon, il est encore dans mon œuf. Mais on commence à voir sa tête déjà, peut-être. C'est peut-être l'échographie qui nous a permis de voir ça. En tout cas, il est niveau 1. Il n'a pas beaucoup d'XP. Et il fait 6 d'attaque. Oh, on peut le custom, attendez. Ah non, on peut pas. Il faut le faire évoluer avant de le faire custom. Ok, l'inventaire, d'accord. On pourra upgrade l'inventaire. C'est bon à savoir. Ici, on a quoi? Un starter pack? Un auto-cacheur? Non, franchement, je prends jamais les auto-cache. Moi, par contre, j'aime bien. Oh, le double monnaie à 800 Robux. Aïe, ça fait mal. Là, ça fait mal. Bon, ok, allez, les abos, écoutez. Moi, j'aime bien aller jusqu'au bout des tycoons, donc je vais le prendre pour être sûr de pouvoir le finir aujourd'hui. 800 Robux, c'est énorme. Alors, je compte sur vous pour mettre un maximum de pouces bleus sur cette vidéo. Allez, c'est parti. 346$, on va pouvoir mettre les upgraders et upgrader... What? L'upgrader 3 est aussi payant. Non, c'est bon, je viens de payer, c'est cool. On va mettre un petit pilier, donc, sur les côtés, d'accord, avec un petit sol rouge, un petit tapis rouge comme ça. Parfait, qu'est-ce qu'on aime les tapis rouges. Bon, très bien, alors qu'est-ce que je peux prendre pour l'instant? Les murs, je peux pas, si ça y est, je peux avoir assez pour les murs. Ok, ça a fait tous les murs d'un coup, au moins c'est fait. Non, parce que j'ai connu des tycoons où c'était mur par mur et c'était méga long. Allez hop, je prends ça, je vais prendre donc des petites vitres. Et ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller péter du slime sur les côtés. Je sais pas vraiment à quoi ça sert, mais peut-être que ça fait XP mon dragon. Regardez, mon dragon a 20 XP actuellement. Quand je tape un slime ou quand je le finis... Attends, oh, je crois que c'est un abonné, je l'ai déjà vu lui. Ça serait bien qu'il active son PVP là, qu'on se batte contre lui. Ah, mais il est déjà niveau 2 lui. Ouais, du coup, moi j'ai pris de l'XP un peu et mon dragon aussi. Bon, en fait, on a la même. Hein. Je crois que mon XP est celle du dragon aussi. Hein. Bon, en tout cas, il est niveau 1 lui et... Il essaie de taper comme il peut, hein. Il essaie de faire bouger son œuf, mais je pense pas qu'il fasse très mal pour l'instant. Allez hop. Ah d'ailleurs, j'ai oublié de mettre les codes, j'avais oublié, il y a deux codes à mettre, c'est welcome il me semble, welcome comme ça. Get, combien ça m'a donné? Je sais pas. Oh, 3000$, bah ouais. Ah ouais, là, clairement, ça fait du bien. Et après, l'autre, c'est My Dragon avec une majuscule comme ça. My Dragon Tycoon. Hop, voilà. Get. Et là, ça donne combien, celui-là? Et plus 3000. Ok, je viens de prendre 6000 rien qu'au code. Pensez vraiment au code à chaque fois que vous jouez à Tycoon, c'est trop important. Allez, voilà, ok, c'est parti. Et là, on va pouvoir développer donc la base. Là, on est bien. On va pouvoir mettre shelf ici. Donc, un petit peu de décoration avec de la lumière, des tables. Ok. C'est trop mignon et c'est trop stylé. Regardez la petite animation du sirotage. Bon, après, il y a... Réveille-toi, dragon! C'est la cata, il faut aller se battre! Ouais, parce que du coup, là, je disais, après, il y a des nouvelles zones... Ah, je peux pas dézoomer assez, mais il y a des zones là-bas qu'on va aller voir juste après. Mais avant ça, il faudrait que je développe mes convoyeurs. Hein. Le but, c'est d'avoir un maximum de thunes. On a téléporteur... Je sais pas à quoi ça sert. Ah, d'accord, c'est la zone. Ok, on va aller voir la zone juste après. Je vais dépenser d'abord toute ma thune, bien évidemment. Ok. Oh, les belles portes! La double porte, hein, carrément. Oh, ça fait un petit couloir comme ça, c'est super sympa. Par contre, celle-là, elle marche pas, porte. Fais chier. Ah, si, c'est bon. Weapon shop. Ok, on va pouvoir un shop chez nous directement avec de nouvelles armes.
Greatsword. Ok, vas-y, je prends. Alors, est-ce que je peux l'acheter? Je l'ai là. Oh ouais, je crois que ça me l'a donné là. Inventory. Ah ouais, non, d'accord, il faut que je la mette. 12. Ah non, 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 c'est celle-là qui est mieux. Hein. Hop. Je peux l'upgrade. Attendez, je vais le faire. Hop, 500. Je vais pas trop le faire hein, parce que je. What? Wow! Yo! Qu'est-ce t'as fait? Qu'est-ce t'as fait? Je te croyais abonné à ma chaîne! Ouais, c'est bon, je te laisse. Du coup, je disais. On a. Ouais, oh, le dropper, j'avais pas vu là. Le dropper, c'est très important. Hop, on a un nouveau dragon là qui se charge des pièces. On va mettre les upgraders et c'est parfait. On est très bien au niveau du convoyeur. Et ici, évolution! 500$, on a la première évolution de notre œuf! Ok, ça arrivait tellement vite, je m'y attendais pas. Et du coup, l'éclosion. Et voici sa première évolution. Il est tellement mignon. Mais c'est exactement comme ça que je le pensais. Waouh, yes! Bon, est-ce qu'il y a moyen de changer sa couleur? Parce que moi, j'ai pris la base rouge, je veux qu'il soit rouge. Alors, du coup, dragon, name. Ah ouais, on va le changer, on va le changer. Comment on l'appelle? Comment on l'appelle? Dites-moi un nom dans les commentaires. Moi, en attendant, je vais l'appeler. Ah, mais attendez, juste avant de l'appeler, je vais lui changer sa couleur. Ah, c'est les yeux que je change. Oh là là, c'est trop stylé. On va le mettre corps en rouge. Les yeux, on va les mettre contour. Contour blanc, c'est pas mal. Après, ça, c'est sûrement l'intérieur des yeux. Oh là là. Oh là là. Ah ouais, le rouge sur le rouge, c'est pas ouf. Des yeux verts, non, c'est pas stylé du tout. Sur du rouge, en tout cas. Oh, les yeux blancs, ça fait hyper bizarre, mais c'est stylé, hein. Il fait peur comme ça. Body 2, alors ça, c'est quoi? C'est le. Ah, c'est dessous. Ah, je vais tenter un truc noir, voir si ça rend bien. Ouais, noir, c'est pas mal. Après, tout rouge, ça fait un peu trop quand même. Ok, on va laisser comme ça. Et on va avoir donc ses cornes également. Alors, les cornes, vert, c'est pas mal. Vert, j'aime bien les cornes. Après, bleu aussi, c'est cool. J'hésite. Ou noir pour aller avec le dessous. Ouais, le noir, c'est stylé aussi. Hein. Au moins, ça fait deux couleurs, pas plus. On peut changer son style de tête aussi. Oh là là, c'est trop stylé. Alors, ok, il y a ça, il y a ça. Il y a combien de types? Ah, il y a trois types. Hein. Oh là, c'est hyper bizarre, ça. C'est hyper chelou. On dirait qu'il est fini à la piste, quoi. Ouais, il y a celui-là, du coup, qui ressemble à un chien. Et celui-là, non, ça fait plus dragon, ça. Je vais laisser comme ça. Et on peut changer les yeux. Oh là 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 là. Oh, on dirait qu'il est endormi comme ça. Oh, il est mignon comme ça. Mais non, mais moi, je vais mettre clairement les yeux méchants comme ça, là, trop stylé. Du coup, j'ai pas décidé son nom. On va l'appeler Red Dragon. Red Dragon, hop là, finish. Bon, et dès que j'aurai des nouveaux noms, s'il y en a dans les commentaires que je trouve stylé, je le prendrai. Mais ouais, ouais, c'est très bien. Red Dragon, c'est bien aussi, hein, franchement. C'est très cool. Wow, wow, wow. Fais gaffe, hein. Moi, j'ai fait éclore. Ouais, moi, j'ai fait éclore mon dragon. Tu vas faire défoncer, mon gars. Tu vas faire défoncer. En plus, j'ai un abonné qui est là pour moi, pour me défendre. Yo, yo, yo. Et boum. Oh, putain, je vais mourir. Oh, c'est bon, on l'a eu. Ouh, 14 de vie. J'ai failli passer. Allez, Farm Road. Alors, qu'est-ce que c'est ici? On va voir une petite ferme, apparemment. Wow. Attends, il essaie de me taper ou quoi, là? Non, c'est bon. Des carottes. Alors, est-ce que ça va me permettre d'avoir plus de thunes? Ah, je crois. Ah, ok, je mets mes petites carottes. Hop, ici, on aura de nouvelles carottes. Oh, c'est les giant carottes. Ici, on aura du blé et ici, également du blé. Tu peux me donner un code red. Welcome et my dragon tycoon. Voilà, c'est bon, t'es donné les codes. Allez, c'est parti, donc on continue. Alors ici, qu'est-ce qu'on a mis? Ah oui, c'est les golden carottes, ok, toujours plus. Je vais aller encaisser ma caisse, ça fait un petit moment que j'ai pas encaissé ma caisse. Je dois avoir genre peut-être 10 000, non? Un truc comme ça. Ah non, 5 600, c'est déjà pas mal. Hein. Bon, par contre, c'est dommage, il y a plus de dropper, mais après, peut-être que la bouffe là-bas, ça me donne de la thune. En tout cas, attendez. Ah, mais la dragon sword, je peux pas l'avoir, c'est 50. Bon, après, 550, c'est que dalle, hein, par rapport à ce que je viens de dépenser. Peut-être que je la prendrai, mais je verrai si c'est la meilleure. Alors, on va collecter ça. Ici, on va voir quoi? Cornfield. Ah, c'est du maïs, très bien. Et là, on va avoir des citrouilles, d'accord. Alors, Signboard. Ah oui, ça, c'est ce que j'ai vu sur l'autre base. Ici, on a le nom de ma ferme. Alors, est-ce qu'on va pouvoir payer quelqu'un? Ouh! Stylé, on va pouvoir payer quelqu'un pour s'occuper de ça peut-être, non? Parce que j'ai pas que ça à foutre, moi. J'ai plein de trucs à développer. En tout cas, on va aller voir la nouvelle zone. Hop, on met les pommes ici. Il y a tellement de trucs avec des Robux, par contre, c'est abusé. Hein. Fais attention. Hein. Allez, on retourne à l'intérieur. Ici, on a, oh, ok, le premier étage qu'on va pouvoir développer. Les lumières et une échelle comme ça. Allez, j'arrête de développer ma blaze pour l'instant. On va aller voir de l'extérieur à quoi il ressemble. Ok, c'est pas mal. Oh, il y a un œuf là-dessus, j'avais pas vu. Génial. Attendez, parce que juste, s'il y a un dropper dessus, je vais quand même le faire histoire que ça me rapporte de la thune. Il y a juste des piliers. Je vais le prendre. Et ensuite, il y aura un incubateur, sûrement, pour améliorer encore mon œuf. Alors, attendez, est-ce qu'on peut. Comment ça fonctionne? Je sais pas, c'est peut-être juste de la déco, hein, on verra tout à l'heure. Ah oui, il y a convoyeur. Bon, bah attendez, juste avant d'aller dans la zone là-bas, je vais juste finir le convoyeur quand même. Parce que bon, c'est quand même ça qui va me rapporter de la thune. Et franchement, vu que je vais partir en PVP, ou pas en PVP, mais en PVE, contre plein de mobs, je vais me prendre la Diamond Sword. Par contre, c'est bon, après je dépense plus de Robux, hein, c'est bon. Du coup, on la prend, et en plus, ça coûte pas très cher à upgrade. Mais je vais garder ma thune pour l'instant. Waouh, elle est trop stylée! Ah, je suis content de l'avoir prise quand même.
Alors, hop là. Donc du coup, on a dit convoyeur ici et les droppeurs 1500, ok. Allez, viens là, nouveau dropper. Ok, alors là, je suis en train de produire des œufs de dragon qui vont directement dans l'incubateur. Parfait, ok. On va produire un maximum de dragons. Allez, c'est parti, donc on va tenter donc cette petite île, la Forest Hub. Ah non, là, c'est juste le hub. Ah oui, d'accord, je suis monté, là, regardez, ma base est juste derrière et je suis à ce côté-là. Donc là, en fait, il y a les mobs niveau 5, je sais pas si je peux me les faire, on va essayer, hein. Maintenant que j'ai la nouvelle épée, pourquoi pas. Hop, j'espère que je l'ai pas acheté pour rien. Je leur fais 16, ils me font 1. Franchement, c'est tranquille, hein. C'est des beetles. Alors là, pour XP, ça va être bien. Hop. Voilà, je suis passé niveau 2. Bon, ça va, je les gère, ils sont pas très compliqués à péter. Hein. Du coup, je vais aller voir les zones téléporteurs. Go back home, deep forest. Est-ce que je peux y aller? Il faut être niveau combien pour y aller? Ça, je sais pas. Moi, je peux aller que dans celle-là, apparemment. Hein. Ah ouais, qu'est-ce que c'est? C'est des pots d'œufs. C'est des pots d'œufs. Qu'est-ce que ça fout là? Bon, ça doit expliquer pas mal ça, hein. Level 10, donc ça doit XP vraiment pas mal. Et je vais pouvoir développer, donc, dès que mon dragon sera un peu meilleur et je pourrai avoir des capacités R et F là, apparemment. Alors, je vais continuer de ce côté-là. On arrive où là, en fait? Non, d'accord, en fait, je suis juste passé de ce côté. D'accord. Alors, on va enlever le PVP parce que sinon, on va se taper sans faire exprès. Attendez, je vais upgrade mon arme là, vite fait, tant que j'y suis. Hop, upgrade. Voilà, allez, on se met bien. Allez, en fait, non, on n'a pas vraiment les mêmes XP parce que mon dragon, il est qu'à la moitié de son XP et moi, je vais passer niveau 3 sûrement en le pétant lui. Hop, voilà, level up, c'est parfait. Je vais faire passer mon dragon niveau 3 et on va retourner à la base, voir si je peux pas le faire évoluer maintenant. Je pourrais sûrement le faire évoluer, hein. Alors, il reste combien là? Il reste, ok, 100 d'XP, ça va aller vite. Allez dragon, mets-lui des coups de tête là! Mets-lui des coups de tête! Alors, je suis... Ah, c'est bon, il est passé niveau 3, lui. Nickel. Il fait 8 d'attaque maintenant. Regardez, lui, il est vachement beau aussi, son petit dragon bleu, comme ça. Alors, lui, par contre, il a toujours pas fait éclore, le sien. Attendez, je vais lui piquer son meuble, là, juste histoire d'XP. Voilà, merci pour l'XP. Voilà, comme ça, je passe niveau 4. Allez, hop! Ah, on peut... Oh, trop stylé, on peut se téléporter directement à la base. Donc, ici, on a quoi? Oh, c'est tout, 6 000 $, putain, ça aurait pu aller plus vite. Je vais aller voir ma ferme vite fait, là, parce qu'il y a de la thune aussi à se faire ici, hein. Hop, on prend ça, tac, et après, faut replanter, hein. Donc, retournons à l'étage, parce que là, le convoyeur, il a besoin d'être amélioré. Ah, attendez, j'aurais bien vérifié si je pouvais faire évoluer mon dragon, mais attendez, on va faire ça en premier. Allez, upgrader, un convoyeur rail, j'aurais pas dû prendre ça, j'aurais dû prendre le dropper, mais c'est bon, j'ai assez. Et du coup, j'ai assez également pour l'upgrader, et j'ai pas assez pour le prochain. Tant pis, est-ce que je peux pas le refaire évoluer? Non! Allez, faites-moi évoluer mon dragon! Allez, petit upgrader donc au bout. Ok, juste avant de passer dans l'incubateur. Partition, qu'est-ce que c'est partition? On va pouvoir acheter un bureau ensuite. Ah, on va avoir des nouvelles armes. Ah, mais ça se trouve, c'est l'arme que j'ai acheté avec des robux. Ça se trouve, c'était vraiment pas ouf en fait. Donc, je vais continuer. Je vais mettre un bureau juste là, d'accord? Ici, Weapon Shop avec de nouvelles armes. Oh, j'aurais dû attendre et j'aurais pris cette arme. Elle est tellement mieux. Ah, mais tant pis. Allez, du coup, je vais aller refaire un petit peu de PVE là, tranquillement. Le temps de faire de la thune. Allez hop, niveau 6, mon dragon lui il en est à combien? Niveau 5, ok, il a toujours un petit niveau de retard. Allez, je tue celui-là et je vais retourner à la maison là. Je vais aller voir si j'ai un peu de trucs à développer. Hop, hop. Ah ouais, mais ouais, j'ai les 10K, parfait, je suis arrivé pile au moment où il y avait les 10K. C'est tout ce qui m'importait. Je vais m'occuper un petit peu de ma ferme. Donc du coup, ici, on va avoir un petit portail comme ça, passage, box, un balcon. Bon, c'est que de la déco pour l'instant, hein. C'est pas les trucs qui vont apporter de la thune ni faire éclore mon... Enfin, faire évoluer mon dragon. Mais ça reste stylé quand même. On va prendre les murs de l'étage. Et ok, un petit truc en plus, histoire que je paye plus. Et j'ai assez pour acheter la hache comme ça. Elle fait 14, hein. Donc c'est moins bien que mon arme. Je vais rééquiper celle-là quand même. Un petit montant de porte qu'on va mettre. Des murs, qu'est-ce que ça va être de ce côté-là? Je sais pas, hein. On va avoir des nouveaux trucs. Ah mais alors attendez, parce que juste avant de développer là ce côté-là, parce que je sais pas trop où ça va mener, je vais prendre directement le nouvel étage, parce que peut-être qu'il y aura des convoyeurs et c'est vraiment le plus important. Bon par contre, j'ai rien pour monter à l'étage. Attends, je vais me mettre là. Il y a quelque chose au-dessus. Est-ce qu'il y a moyen de voir s'il y a des convoyeurs? Non, je vois rien. On va prendre des bibliothèques, une petite bibliothèque comme ça. Je veux faire évoluer mon dragon. Faites en sorte que j'évolue mon dragon. Je vais prendre les lumières de... Waouh! De l'étage. Et bah là, j'ai plus de thunes. Hein. Je vais aller re-XP un petit peu. J'ai que 4 niveaux en plus et je pourrai avoir la nouvelle zone. Ouais, c'est niveau 10, hein, la prochaine zone. Allez, normalement, c'est bon, niveau 8. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Je vais retourner à la maison. Et combien? 13 000, on prend. Allez, s'il vous plaît, qu'il y ait des convoyeurs là-haut. Hein. Il faut toujours plus de thunes. Donc, on va prendre les carpettes comme ça. C'est pas ça qui va me permettre de monter à l'étage, que je suis toujours pas monté d'ailleurs. Des lumières, hop, des plantes, une porte et encore, ok, c'est encore un endroit où on va pouvoir faire de la ferme, hein, on va avoir une ferme tout simplement. Hop, on prend ça, le toit, d'accord. Et qu'est-ce qu'on va avoir ici?
des dragons, d'accord, des dragons. Non, des tomates de dragons, d'accord. Deux tomates ici, et ici on va avoir des champignons. Bon, j'espère que ça rapporte plus que tout ce qui est en bas, parce que tout ce qui est en bas là, ça me rapporte vraiment rien, c'est abusé. Je préfère aller taper des monstres que de m'occuper de ça là. Par contre, du coup, ça a dû débloquer quelque chose pour que je monte, non? Ça a dû débloquer là, non? Est-ce que je peux pas monter? Non, je peux pas monter, what the fuck? Non, mais y a rien d'autre à l'étage. Ah, où est-ce qu'il est le prochain bouton vert? Je sais pas où il est. Hein. Ah, ben non, mais y a celui-là, j'avais pas pris. Attendez, attendez. Je prends celui-là. Alors, comment ça rapporte? 90? Ah, j'ai l'impression que c'est pas beaucoup plus qu'en bas. Hein. Ah, c'est vraiment pas beaucoup plus. Hein. Bon, je vais faire ça. On va aller voir là, c'est bon. Ah, ouais, j'ai débloqué l'échelle. J'ai débloqué l'échelle. Elle coûte 2 000 $ quasiment. On monte et on va voir ce qu'il y a. Et alors, on a Rugs. Qu'est-ce que c'est, Rugs? Oula, je sais pas ce que c'est. En tout cas, voici la petite vue d'ensemble de mon bâtiment. C'est très cool. Du coup, Rugs pour 2 000. D'accord, bah c'est des tapis en fait. Je retourne XP le temps que ça fasse un petit peu de thunes. Dommage, j'ai pas eu de convoyeur. Mais là, c'est bon. Je vais pouvoir avoir la nouvelle zone du coup très bientôt dans 2 niveaux. C'était là où je voulais aller. Hop, voilà. Allez, c'est parti. Je vais améliorer mon arme tant que j'y suis. Hop. Je vais essayer de le faire plusieurs fois là. Comme ça, je pourrais les péter beaucoup plus vite. Parce que là, j'ai combien là? J'ai 4 000 $. Ça me fait 5 200. Ouais, je pense que je peux l'améliorer 1, 2, 3 fois peut-être. 1000, 1100, max. Ah ok, c'est le max, d'accord, tant pis. Bon bah on va aller se battre comme ça. Je leur fais combien maintenant? Je dois leur faire 25, un truc comme ça, 23 seulement, non. Allez, je suis à la moitié du niveau 9, c'est vraiment des mobs vraiment tout pourris. Ils me font vraiment juste un dommage à chaque fois. Mon dragon, il leur fait combien? 12 et moi je fais 23. Franchement, ils peuvent rien faire contre moi. Alors attendez, juste avant de passer niveau 10, je vais retourner à la maison. Je vais encaisser combien? J'ai pas vu, 11 000 je crois. Et je vais aller développer donc tout ce qu'il y a au deuxième étage. Donc il y a quoi? Il y a une table, d'accord, 2200, petite table décoration avec des dragons qui font un petit festin. Il y en a un qui est en train de réfléchir. Quel est notre prochain objectif? Ok, on va avoir une nouvelle arme, ça pourrait être bien. Golden Axe. Oh, ok, elle fait 17 de base sans amélioration. Ah, mais par contre, je peux avoir la suivante, mais j'ai pas assez de thunes pour l'instant. Ah, mais il y a un autre shop juste à gauche. On va voir ce que ça donne. Weapon Shop, et là, waouh, la Dragon Flame, mais je sais pas combien elle fait. Je la prendrais si je savais combien elle faisait. Mais ça a l'air d'être l'arme légendaire du jeu, ça, par contre. Hein. Ah, mais il y a encore un shop ici. Il y a que des armes ici. Bon, mon dragon, lui, il est niveau 7. Je vais retourner là-bas. Je pense que niveau 10, il va évoluer. Hein. Ce sera comme ça. Ah non, attendez, juste avant, faudrait que j'améliore mon arme quand même. Quoique, non, je vais pas l'améliorer. Je vais économiser. Je vais attendre d'avoir les nouvelles armes qui sont là-haut. Donc, attendez, je vais me battre avec celle-là. Moi, ça ira très bien. Alors, encore un. Et ça sera bon. Enfin, je vais avoir cette zone. Et niveau 10. Opponent Area. Area, je sais pas combien. Et là, du coup, qu'est-ce que c'est? Ah, oh, c'est des arbres. C'est des arbres monstres. Ils s'appellent les Stump, ok. Ah, ceux-là, ils font 2 hein, seulement. C'est vraiment pas grand-chose, d'accord. Bon, là, c'est cool, parce que là, mon dragon, il va très rapidement passer niveau 10. Je suis persuadé que ça va être niveau 10 qui va pouvoir évoluer. Et c'est quel niveau pour la prochaine zone? Ah, c'est niveau 15, bon, ça va, hein. Je crois que ça va être niveau 20. Mais ça va, niveau 15, on va vite y être. Ok, mon dragon est passé niveau 9. Moi, je vais passer niveau 11. Ouais. Ah, il a level up, mon dragon. Il a level up. Niveau 10, on va les voir, on va retourner à la base, on va voir si ça permet de l'évoluer. Franchement, j'en suis pas sûr, mais ça serait tellement bien. Allez hop, retour à la base. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais avoir de la thune normalement. 17 000, oh, ça me fait 30 000 là maintenant. Je vais voir ici, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire quelque chose? Non. Ah, mais j'ai pas vu, mais il y avait des escaliers que je pouvais prendre ici. Oh, ok. Bon, j'étais pas obligé de les prendre maintenant, c'était pas utile. Sachant que j'avais l'échelle là-bas. What? C'est une nouvelle arme, ça. Swordfish. Ici, je peux débloquer un nouveau portail avec un autre balcon, d'accord, mais je vais d'abord débloquer les armes, quand même. Hein. Ah, ok, il y a encore un étage, génial. Ils sont de plus en plus petits, les étages. Ici, Golden Axe. Celle-ci, elle est à 16 de base. On va prendre des petites lumières et on va débloquer le balcon. Ah, c'est tout, ok, il n'y a rien de plus à mettre sur le balcon. Alors, du coup, hop, ça c'est quoi? Les safe floors. Oh, ok. Oh, trop bien. On va y mettre le toit directement. Ah, ça va être juste la déco, là, je pense. Hein. Il y a des bancs, des plantes, des tapis, ok, c'est pas la priorité. Allez, je fais ça, plante, fort top. Ouh, ok, on peut monter où? Où est-ce que ça va m'amener, ça? Hop, des lumières. Et bien, attendez, on va monter, on va voir ce que ça donne. Ah, c'est juste un petit point d'observation. Et on voit tout le monde. Oh, lui, là-bas aussi, il est très bien développé. Hein. Je pense qu'il en est à peu près au même niveau que moi. Oh, ça a mis mon drapeau. Cool. Hop, du coup, on peut avoir les murs de cet étage. Bon, du coup, j'ai pas mal économisé. On va pouvoir continuer cet étage et peut-être le terminer avec une petite bibliothèque juste là. Une porte derrière. Wow, ok, une nouvelle pièce. Rug, qu'est-ce que c'est, Rug? Oh, attendez, me dites pas que c'est... Ok, je croyais que c'était une plateforme d'incubation ou un truc comme ça. Mais non, ça sera juste mon lit qui est très beau. Il y a du très beau design ici. Avec la petite lampe pour lire le soir. Wow, pourquoi ils sont obligés de me mettre les jambes en l'air comme ça? C'est un petit peu bizarre. Du coup, 2 200 € cette chaise. Enfin, dollars, du coup. La porte qui mène vers une nouvelle pièce. Ok, là, on va voir... Ah, on va voir un plus grand balcon. Oh, ce serait trop bien d'avoir une balançoire. Non, non, je pensais pas à ça. Mais je pensais avoir, je sais pas, des petites tables pour manger, un petit truc sympa, un petit jardin pour manger, mais non, ok, une balançoire.
Ah, avec un petit dragon dessus. Alors, comment ça fonctionne? Ah, je suis désolé, hein, mais ma balance, ça marche pas. On peut pas faire grand-chose, hein, on peut partir. Alter Boys, qu'est-ce que c'est, ça? Oh, putain, yes! L'évolution, peut-être? 5000! Ouah, pourquoi le truc, il était violet? L'évolution arrive tout de suite de mon dragon! L'évolution, tout de suite, ça a débloqué les compétences. Et il est devenu un peu plus gros. C'est toujours le même, mais il est un peu plus gros et on a la possibilité... Ouah, attendez. On va dehors, venez tous dehors. Ouah, attendez, mais il reste des trucs aussi. Leader. Ah ouais, il y a encore un étage. Attendez, on a pas besoin d'aller dehors. On va rester ici. On va activer R comme ça. Et je peux monter dessus. C'est trop stylé. Youhou. Bon, il est pas très rapide par contre pour l'instant. Hein. Il va falloir encore l'améliorer. F, ça fait quoi F? Ah non, je l'ai pas F en fait. J'ai rêvé, je l'ai pas encore. Bon, bah du coup, en attendant, on va prendre... Wow, c'est quoi ce truc-là? Je sais pas, Rug, Weapon, encore des Weapon, Light. On va débloquer les deux épées. Ouah, elles sont trop stylées. Ouah, il m'a fait acheter le truc, là. Alors, c'est quoi la meilleure? Celle-là, elle fait 20, celle-là, elle fait 19. Ok, bah c'est direct celle-là, équipée. C'est parfait, on va prendre un nouveau balcon avec un télescope. Waouh, on peut regarder dedans ou pas? Oh, laissez-moi regarder. Non, on peut pas. Par contre, à côté, il y a un dragonscope. Ah ouais, yes, bah oui, bien sûr. Regardez-le, il a eu son petit œil là, comme ça. Il contemple... Mais il n'y a pas grand-chose à voir. En plus, il fait jour. Flaglight. Et si on va voir... Ok, bah rien. Encore. Oh putain, d'accord. 150 Robux, celle-là. Et ça, c'est sûrement la meilleure arme. Ça y est, on est à la meilleure arme, là, c'est sûr. Elle est énorme. Leader, donc ça va me permettre de monter encore une fois. Il reste un petit bouton à débloquer là-bas. Keep frame, mais what, je vais partir. Regardez, je peux partir derrière du coup. Je peux joindre le bout, mais ça va m'amener où ça? Je sais pas. C'est trop stylé. En vrai, c'est trop stylé, je sais pas où ça mène. Alors attendant, je vais aller voir ce que ça donne. Oh, mais attendez, je vais pas débloquer. Ah non, ok. Une autre échelle. Bon, bah, toutes mes économies sont parties en fumée. Il me reste 17 000. On va prendre les petites windows. Non, ça n'a pas fait de windows. Je sais pas pourquoi. Et voilà, j'ai plus de thunes. Et ici, on a Shiphead. On a comme un bateau. On va avoir un bateau, d'accord? Sur la tête de ma base, on va avoir un bateau. Ici, une autre échelle. Et ben, c'est peut-être sur le bateau qu'on pourra faire l'amélioration de mon dragon. L'amélioration suivante qui me permettra d'avoir le truc en F, là, je sais pas ce que c'est. Alors, j'ai combien, là? 11 000 euros, c'est pas mal. Bon, par contre, je vais passer niveau 15, on va aller voir la nouvelle zone, du coup. Ça me fait penser au paradis, vous allez voir, la nouvelle zone, genre... Bon, Green Island, mais comment elle s'appelle, d'ailleurs? Go back, elle s'appelle... Cemetery. Ok, non, c'est un cimetière. C'est pas vraiment le paradis, mais vraiment, on dirait les portes du paradis, comme ça, là. Mais c'est hyper stylé. Bref, ok. Du coup, je pense que j'en tue deux comme ça et on sera bon. Là, j'aurais pu améliorer mon arme aussi. Regardez la différence de taille entre son dragon et le mien. On est du même niveau pourtant, c'est juste qu'il a pas trop amélioré sa base. Mais allez, c'est parti, moi je passe niveau 15 et Opened Area numéro 2. Allez, j'y vais à dos de mon dragon comme ça. Wow, je me fais attaquer sur le chemin. Allez, c'est parti, j'y passe. Salut mon cher abonné. Je pars dans la nouvelle zone. Oh putain, je me casse de la nouvelle zone. Ah mais non, il peut y accéder lui. Mais il est niveau combien? Ah ouais, bah il peut. Ok, donc ici, bah, nous avons les petits fantômes. Ils font vraiment pas mal. C'est dommage, j'aurais dû mettre des mobs qui font beaucoup plus mal pour la difficulté du jeu. Mais bon, ils ont pas fait ça. Et la prochaine zone, elle sera à combien? Elle sera... Ouais, je me suis fait TP à mon dragon en me mettant dessus. Niveau 20, d'accord. Et qu'est-ce que c'est? On voit pas grand chose, dommage. Allez, je retourne à la maison, je vais aller acheter donc le bateau qu'il y a à mettre là-haut. J'ai combien là? Oh, j'ai que 20 000, hein. Je vais pas pouvoir faire grand chose là. Combien ça coûtait? 7500, d'accord. Ship head, ship body, deck. Ok, j'ai plus de thunes, mais qu'est-ce que ça vient foutre là ça? Je sais pas. Allez, on prend le deck. Ah, super. Oh, par contre, il va me falloir une échelle pour monter. Hein. Allez, un petit peu d'éclairage à ce niveau-là. Et ship gate, stylé. Oui, c'est très stylé chez moi, j'avoue. Rug, qu'est-ce que c'est? Weapon Shop. On a une nouvelle, deux nouvelles. Ça. C'est un sabre laser. Je le veux. Combien? Oh, 200 Robux. Ok. On va se calmer. On va prendre cette arme, par contre, qui est la Battle Mace. Oh, elle est trop stylée. C'est clairement la plus stylée qu'on a depuis le début. J'ai jamais vu une arme comme ça. Du coup, later, petite échelle, on va monter encore. On va y mettre un canon à 6700. On peut tirer. On peut pas tirer sur la personne d'en face, là. En plus, c'est sûrement un abonné. Alter Base, Light, Candle, Dragon. Oh yes, ça y est, l'évolution. Oh mince, non, je voulais attendre pour l'activer. C'est ok, c'est pas grave. Donc là, ça y est, je vais enfin avoir la troisième compétence. Et mon dragon a des ailes. Oui, il a des ailes. Il est un petit peu plus grand, il a des ailes. Allez, laisse-moi tester ça. Laisse-moi voler. Wouh! Oh, c'est trop stylé.
Oh, on peut monter tout là-haut, on peut monter tout là-haut. Salut les abonnés, désolé, mais moi je me casse. Oh, je peux avoir une vue d'ensemble de ma base. Ah oui, il y a un truc vert tout en bas à débloquer. Attendez, attendez. Je vais finir ça là. Gate, red carpet. Et ça y est, je crois que le bateau est terminé. Je vais quand même regarder à l'intérieur, mais non, non. Il y a que des trucs en Rubik qui va rester. Ouais, je m'en doutais, c'est un. Hop là, j'arrive pas à y aller. Yeah, j'arrive pas à entrer. Je m'en doutais, c'est un téléporteur pour aller sur la Sky Island. Mais quoi, d'où il y a une Sky Island? Attendez, mais. Je suis où là? Où est-ce que je suis? Je suis complètement ailleurs. Là, ça a complètement changé. Et du coup, il y a des nouveaux mobs. Ils sont à combien de vie? 1000 de vie niveau 35. Oh, eux, par contre, ils doivent faire mal. Non, ils font 3 seulement. Oh, ils sont tellement nuls. Ah, ils doivent trop bien XP en vérité. Hein, parce que niveau 35, là, on doit prendre beaucoup, beaucoup d'XP. Hein. Là, je suis à quoi? Je suis à 7% d'XP. Je vais le tuer. Ça va me donner combien? Ah, ok. Ouais, trop bien. Ça m'a fait monter à 33%. What? Mais attendez, je dois débloquer des trucs ici maintenant. Truc de fou. Ce tycoon est super complet. Enfin, franchement, il était génial. C'est peut-être qu'une zone de pêche, hein, je sais pas. Ah, et en plus, ça me rapporte de la thune. Très bien, très bien. Bon, bah écoutez, les abonnés, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Regardez ma base complète. Et là, elle est magnifique. C'est super bien fait. Ce tycoon, je l'ai vraiment adoré. Ils y ont mis vraiment beaucoup de boulot. Et ça, on apprécie. En tout cas, si vous êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner tout de suite. Et nous, on se retrouve à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut à tous, c'était Redkill. Bye tout le monde. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Oh, il y a des golems.